Amar Rabbi Elazar, au milieu de la page. Amar Rabbi Elazar, Nibir Katam, Shel Tzadikim, Matalamed, Klala, La Rechaim. Ou Mikil Elatam, Shel Rechaim, Matalamed, Berachala, Tzadikim. Alors, la maîtresse d'Amoud Bet, Mibir Katam, Shel Tzadikim, Matalamed, Klala, La Rechaim, Dirtiv. Qui est d'Artiv, les mains, Nacher Yetzavé, et Banav, et Beto, Harav, Shamrou, de Hashem, Kadosh, Bahoukou, dit sur Avram Avinu, je sais qu'il fera la volonté d'Hashem Yitbarach. Je sais qu'il enseignera à ses enfants, qu'il leur transmettrait de faire la volonté d'Hachem. Ouktiv va tout de suite après. C'est-à-dire, c'est flagrant. Quand tu parles d'un tzadik, tout de suite, tu remarques que le rachat, il est à l'opposé. Donc, il amène sur lui des dinim. Dès qu'un kadosh baruch hu fait une bracha à un tzadik, un bonheur, tout de suite, tu remarques le noir du rachat. Ça veut dire, quand tu parles du blanc, tu vois le noir. Mais si tu ne parles pas, tu ne vois rien. Et de la bracha et des rechaïm. C'est-à-dire, tant que Lot était avec Avraham Avinu, Avraham Avinu n'était pas un si grand tzaddik. Ça veut dire, quelques jours, il dit, ça c'est l'amitié, c'est ce que tu fréquentes. Dès qu'il est parti, oh, waouh, on sent que la chèvre a quitté la maison, tu vois ce que je veux dire? Amar Rabbi Elazar, afilu bishvil tzaddik echad olam nivra. C'est extraordinaire parce que pourquoi? Parce qu'un homme, qu'est-ce qu'il se dit dans la voie d'attaché? Il se dit, dis-moi franchement, Akadosh Baruch Hu, il a 8 milliards d'humains dans le monde. Moi, je deviendrai tzadik, je vais faire des taraniotes, je vais devenir parou, je vais surmonter, je vais lutter contre moi, etc. Franchement, tu penses que c'est ce qui intéresse Dieu? Oui. Mais je lui dis tzadik, erad, nivra olam. Shinema vayar Elohim et Taor Kitov et Entov et la Tzadik, Shinema Rimu Tzadik Kitov. Amar Rabbi Elazar, Konam et Shaker, Davam et Talmudo, Gorem Galut, Levanav. Tout celui qui oublie sa Torah, il amène Chaz Shalom une galut à ses enfants. Shinema Vatishkar Torah Elohecha, Eshkar Banecha. Tu as oublié Hachem, Akadosh Baruch Hu, il oublie Chaz Shalom les enfants. Rabbi Abba Omar Mouridin Otomigdulato. Ce tzadik, il a oublié la Torah, ben il descend, il est destitué de sa grandeur. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ici, on ne parle pas de stam, quelqu'un que Chas Shalom, il a oublié parce qu'il a eu une maladie ou parce qu'il a eu des souffrances. On parle de quelqu'un qu'il a oublié parce qu'il n'a pas fait tous ses efforts pour garder son étude. C'est pour ça que c'est très important pour n'importe qui. Vous avez fait des macertotes. D'avoir un moment, Shabbat, une heure, tu vois, rien que de lire, pour ne pas oublier ce qu'on a appris. Le stapler, Zahra Tzadik Livara, il avait un seder qui s'appelait Reiya. C'est quoi Reiya? Il rentrait à la synagogue tous les jours, 5 minutes avant la tfila, et il prenait Maseret Baba Kama, par exemple, et il passait avec les yeux. Tu vois, avec les yeux, tu peux passer 30 feuilles en 5 minutes. Pour se rappeler des notions, pour ne pas oublier. Tu vois, pour ne pas que ça saute. Et il passait comme ça. Et il passait sur le chasse entier. En un mois, il finissait le chasse. Mais rien que, tu vois, rien que par la vue. Et il disait un petit mot. Ah, tiens, je vais rentrer à la maison, je vais étudier ce texte, il est intéressant. Mais là, il avait déjà une femme. Oui, mais quand tu as fait avant déjà, donc dès que tu vois, ça va vite. Mais tout ça pour ne pas oublier, on a un cadeau qu'on a étudié, Baruch HaShem. Il ne faut pas le perdre. Amar Abihia. Bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, en tzadik niftar min ha'olam ad shenivra tzadik emoto. C'est-à-dire, quand un tzadik quitte le monde, le même jour, il y a un autre tzadik qui naît. Et là, ici, qui naît ou qui se dévoile. Il a fait, alors c'est écrit ad shenivra. Il a fait, alors est-ce que ad shenivra, c'est vraiment, c'est nolad? C'est pas écrit nolad. Nivra, ça veut dire quoi en traduction littérale? Nivra, c'est qu'il y a un autre tzadik qui est déjà en place. Ah, donc c'est pas qu'il n'est pas né. Par exemple, Rabbi Yosef, quand il est parti, il y a tout de suite un qui va remplacer. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est capable d'être à son niveau. Ah, mais il peut ne pas être une star. Le Baal Shem Tov, par exemple, on raconte sur le Baal Shem Tov, c'était Shabbat, c'est Oudash Lichit. Il s'est mis à Motsai Shabbat, il a pleuré, il a dit Kaba ne Rama Aravi, Rabbi Chaim Ben Atar en Israël, il est mort. Rabbi Chaim Ben Atar est mort, Shabbat. Shabbat après-midi. Il est pas côté de lui. Comment, pourquoi? Parce qu'il a dit que quand il est parti se laver les mains pour la Netilat Yadayim de Seouda Shlichit, tout d'un coup, il y a un ange qui lui a dévoilé le secret
de Netzilat Yadayim qui est dévoilé à un dans la génération. Tant que, alors, il a compris tout de suite que Rabbi Chaim Ben Attar est décédé. Parce que si maintenant on vient de lui dévoiler à lui, Rabbi Chaim Ben Attar, c'était lui la lumière de la génération. Et puisqu'on est venu lui dévoiler, il a compris tout de suite que Rabbi Chaim Ben Attar est mort. Parce que c'était le secret qui appartenait à Rabbi Chaim Ben Attar, qui était le seul de la génération, le plus grand de la génération à cette époque. Oh. C'est quoi le secret des désirs? On a pas dit. Petit malin. on peut toujours donner. Alors il dit, Achelo Zaracha, Shimcho Shelaedi. Voilà, Achelo Kavta Shimcho. On voit que ce n'est pas une vraie naissance. C'est Achelo Kavta Shimcho Shelaedi, Zaracha Shimcho Shimuel Aramati. Tant que Eli n'est pas mort, Vener Elohim Terem Yichbe, comme qui est écrit. Yashmuel Anavi. Shmuel Anavi commence à prophétie à 5 ans. Et ça se réalise. C'est ici, quand on parle de Nolad, peut-être qu'effectivement... C'est pas Nolad, c'est pas écrit Nolad, c'est écrit Nivra. Oui, mais Nahan, il y a quand même on est avec une Neshama qui est différente. Alors, c'est une bonne question. On n'est pas tous égaux devant... C'est une bonne question. Kadosh Baruch Hu dit au prophète, et ça, c'est une question qu'il y a beaucoup qui sont piégés là-dedans. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, un professeur, il m'a dit, comment ça se fait, Kadosh Baruch Hu, il dit au prophète Jérémie, Beterem et Tzorcha Baveten Yedartiha Navi Lagoim Samtira. Il m'a dit, il est où le libre arbitre? C'est Hachem ou quoi? Il est où le libre arbitre? Jérémie est des prophètes. Yedartiha, c'est possible. Que Yedartiha, c'est Beterem et Tzorcha Baveten Yedartiha. À la fin, on verra qu'il y a un libre. Alors, Béhemet, tu n'as pas dit au arbitre. Bon, tu vises Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin. Mais en tous les cas. Exactement. Non, dans la profondeur, il y a la connaissance d'Akadosh Baruch Hu ne m'empêche pas de le faire, tu vois. Mais en tous les cas, selon Rambam, que la névoie, elle vient avec un travail. La névoie, ça vient avec un travail. Ouais. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu donne des neshamot spéciales, c'est vrai, avec un potentiel en plus. Ouais. On sait très bien qu'il y a quelqu'un qui naît avec un IQ plus fort que l'autre. Le IQ, c'est une capacité. Maintenant, est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises? Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, « Beterem et son Rabba Beten » Yedartiha, tu es capable. Je t'ai donné les outils pour la prophétie. Je t'ai donné par exemple un outil que tu es capable de dormir 2 heures par jour. Tu n'as pas besoin de dormir plus que ça, si tu veux. Et tu peux être apte à la névoie. Ça veut dire que tu ne peux pas me dire je n'ai pas de capacité pour faire de la névoie. Oui. Et je t'ai donné une force, mais c'est pas que je t'ai rendu une avis. Non. La preuve, c'est Esav. Si Yitzhak qui se trompe dans Esav. Yitzhak, il s'appelle Asouï, et Esav, il s'appelle Asouï. Il est né circoncis. Yitzhak, il n'avait pas de quoi faire la circoncision, d'après un midrash. L'autre, il dit qu'il était rouge, il avait peur qu'il allait mourir, parce qu'il a vu qu'il avait beaucoup de sang en lui. Aval, en tous les cas, tu vois bien que... Et il a perdu. On voit bien qu'il y a des gens qui ont tout perdu. On voit que Reuven, il a perdu la Bechora, et on voit Yéroboam ben Nevat. Quand Kadosh Baruch Hu lui dit Ani ve'ata ou Benishai Nader Began Eden, il y a des gens qui ont des capacités que Kadosh Baruch Hu a donné. Et chacun, il a son parcours. Quelqu'un, Kadosh Baruch Hu, il ne lui a pas donné trop chokhma. Mais ça a beau être Hachem à lui, c'est de faire son Tehilim, Bipshitou, c'est de faire du Chesed. Et c'est ça son destin. C'est ce que Hachem veut. Mais s'il a fait, il obtiendra des Nissim plus que le plus grand connaisseur de la génération, hein, qui a beaucoup lui a donné un IQ 180, il a utilisé que 170, puisque celui-là, il l'a fait à 100% de ses capacités. Oui. Exactement. La Kdusha et le bonheur que Hachem donne, ce n'est pas selon ta quantité. Akadosh Baruch Hu ne compte pas le nombre de pages que tu connais par cœur. Le status. Il compte le nombre d'investissements que tu as fait, et ton trajet et ton effort. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu. Et on sait que les Neshamot qui descendent, par exemple, le vendredi soir, et les Neshamot qui descendent le semaine, en jour, ça, c'est, il y a des niveaux. Moi, j'aime pas tout ça. Moi, j'aime pas tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font aucun effort intellectuel et ils disent « Je suis né dans une famille de tzadikim, zé ou zé. » Il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il était dans un Shabbat Khatan, je ne vais pas donner de détails. Il y avait là-bas un rabbin avec ses enfants. Henri, c'est qui? Avec ses enfants? Non. Il était avec ses enfants. Il y avait beaucoup de monde là-bas, c'était une famille très aisée, il y avait énormément de personnes qui étaient invitées. Et le rabbin, il s'est levé, il était fatigué, il est rentré dans la chambre dormir. Et
son chamage, il a dit, bon, ben, vous allez faire la queue, vous allez demander des brachot aux enfants du Rav. Ils n'ont jamais étudié, ils n'ont jamais... Et les gens qui étaient là comme des... Ils faisaient la queue. Ils faisaient la queue. Mais bon, les gens, ils sont type chim. Pourquoi? Parce que ils se disent qu'une force, la force, elle n'est pas transmissible, il faut le savoir. La plus grande preuve, quand il y a quelqu'un qui te raconte, exactement, quand il y a quelqu'un qui te raconte, qui te dit, tu sais, moi, je ne suis pas un grand tzaddik, mais j'ai un zrout avot. Le zrout avot, il n'aide à rien s'il ne continue pas dans le chemin des parents. La preuve, c'est Moshe Rabbeinu. Si on parlait de zrout avot, Ishmael, il aurait fait les brachot aux gens. Esav, il aurait fait les brachot aux gens. Zeshtuyot, tout ça. C'est un mensonge que les gens ils font pour faire du business et pour dire, mais tout ça, c'est shtuyot. Bon, on revient à notre sujet. Alors, Akadosh Baruch Hu, il donne, il n'enlève pas le tzaddik s'il ne voit pas qu'il y a quelqu'un qui prend la relève. Alors, Bémet, les Mfarchim, ils expliquent avec ça, pourquoi on pleure le tzaddik? Aré, la Gemara, elle dit, « Uba Hashemesh, Vezara Hashemesh, Uba Hashemesh. » Elle dit, on pleure jusqu'au moment où il va se dévoiler. Le manque de Torah qu'il y aura dans les générations, jusqu'au moment où l'autre va se dévoiler dans toute sa forme. Alors, moi, ce que je me pose comme question, c'est un tzaddik, en général, il n'y en a pas qu'un seul. Bon, sa génération, il y a plusieurs. À partir du moment où il y a un grand qui s'en va, l'autre... Il y a un tzaddik de la génération. Oui, c'est une quantité Rabbi, de tzaddikim. Rabbi Nachman de Breslev, il tient à ça justement, tout le temps. Il y a beaucoup de tzaddikim. Mais il y a un que la hashpara du dor entier, voilà. Elle passe par lui. Oui, il y a un Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Il n'y en a pas deux. Dabar et Had Lador. Il y a le shefar de la Kedusha qui descend. Par un, elle se diffuse. Il n'y a pas 15 tzadikim. C'est pour ça qu'on a besoin. Bon, maintenant, après, ça fait un débat. Qui sait, chacun il cherche son tzadik, son shoresh, de quoi il peut être alimenté. Mais même si tu as un rave, ça ne veut pas dire que ton rave, c'est le tzadik de la génération. C'est que moi, j'arrive à prendre ma lumière, la récupérer par ce robinet. Ça ne veut pas dire que c'est le tzadik de la génération. Il est plus apte pour moi. Mais il faut, et c'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre recevoir de son rave. C'est le tzaddik de la génération qu'on est tous soumis. Il a un dîme de Rabo Mouvak. Chaque parole à lui, elle engage toute la génération. Zélo Michané, à quel secteur tu appartiens, à quel chassidou tu appartiens. Tu peux être avec ton rave, tu peux être avec ton admon. Zélo Michané. Mais il y a le tzaddik de la génération. Le Gdolador, on est tous soumis à ce qu'il a dit dans tous les cas. Bon. Et ça, c'est important parce que les gens, ils se... J'étais sûr qu'il allait poser la question. J'ai pensé comme toi. Le Gdolador, non, le Gdolador aujourd'hui dans notre génération, c'est celui qui a diffusé le plus de Torah et celui que le Olam HaTorah tient sur lui, que tous les grands de la Torah, il faut savoir qui c'est. C'est un que vous sachiez quand on vous parle d'un rave. Moi, quand j'étais jeune, j'allais beaucoup chez les rabbanim. Et mon père, il avait très peur que je sois... Parce que chaque rave, j'allais le voir. Et mon père, un jour, il m'a dit, toi... Tu vas partir en cacahuète parce que chaque grave que tu vois, tu vas être perturbé. Il m'a dit, je ne peux pas t'empêcher à faire tout ça, mais je vais te donner une règle très simple. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, un grave, normalement, il est censé à vendre sa sagesse. Il m'a dit, toujours, je vais te donner une règle. Quand tu as vachement un grave, il faut que tu regardes qui est son entourage. Si tu vois des gens cultivés là-bas, des gens chacham, des tamis des chacham qui viennent là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont de quoi recevoir puisqu'ils viennent. Et ça veut dire, parce qu'un gars qui est chacham, et il vient chez un rave, et il voit, il va venir une fois, il va prendre une bracha, il va partir. Il ne va pas rester là-bas. Mais si tu vois un rave où les chachamim ils sont là, sache-le qu'il a de quoi leur vendre. Ça veut dire que même à leur niveau, il a de quoi leur vendre, ça te montre la grandeur de grave. Mais si tu vois autour de lui des gens simples qui n'ont pas de quoi, sache-le que même son niveau, il est simple normalement. Il peut raconter, on peut raconter des histoires, il peut avoir des gens à côté de lui. Ça peut amener des gens, ça peut amener une foule, mais il n'y a rien. Ne cherche pas ça. Et bien, cette idée, elle m'a énormément aidé. Aujourd'hui, quand tu vois aujourd'hui le rave ou que tous les plus grands chachamim de la génération, non, ou que tous les chachamim de la génération, ils se plient à lui, aujourd'hui, c'est Rav Chaim Kanievski. Dire. Ouais. Tu vois que c'est le rave, c'est le seul rave aujourd'hui que n'importe quel rave, il te dit, ah, c'est une sommité. Celui-là, je vais chez lui. C'est-à-dire que c'est lui le gadol là-dedans. C'est lui le gadol de la génération. Maintenant, il y a d'autres. Maintenant, tu peux me dire,
Il y a maintenant dans, à ce niveau là-bas, ouais. Il y a encore deux, trois. Il y a Rav Edelstein, il y a Rav Shalom Cohen. Ils tiennent la génération. Il y a même dans le secteur d'Attil, oui, le Rav Tao. Il y a quelques. Il y a. Mais il y a un gadol de la génération que tous sont bétalim. Et quand il lui dit quelque chose, ça nous engage tous, comme qui était à la Gemara, il nous dit Gdol Ador, il a le din de Rabo Mouvrak. C'est-à-dire Rabo Mouvrak, tu te lèves, Kim Lorénav, Rav Toratomi maintenant. Ça, et ça nous oblige. C'est comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a voulu. Il a cette force. Le Rambam lui dit, par sa Torah, par son enseignement, il a une force d'influence sur toute la génération. Il se fait vacciner. Maintenant. Mais Tzadik, il sort dans l'âme. Alors, regardez. Ils ont été le voir. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit, oui, il faut se mettre. Il a dit, mais Tzadik, il sort dans l'âme. Rabbi Chia, Didé Amar, Rabbi Yohanan, c'est intéressant. Jusqu'à combien dans l'âge de l'homme on a besoin de se battre avec le Eserara? Oh, jusqu'à ton dernier souffle. Il a fait, mais combien? Non, combien, c'est, alors il dit, sache-le qu'un homme qui était dans bien jusqu'à la majorité de sa vie, il a lutté. C'est plus facile. Après. Il faudra moins. Il a moins de chances à fauter. Donc, c'est habitué à ne pas fauter. Ouais. Exactement. Alors, on a vu des gens qui ont fauté. Korach, quel âge il avait quand il a eu l'histoire contre Moshe Rabbeinu. On ne sait pas quel âge, mais il était vieux. On est bien. Mais peut-être il avait fauté avant avec dans l'orgueil. Mais bon. Mais normalement, un homme qui n'a pas fauté dans une certaine faute, la majorité de sa vie, il ne fautera pas. Et il te dit plus que ça. Quand un homme, il a eu le Yetzara qui est venu une fois, il l'a battu. Deuxième fois, il l'a battu. Troisième fois, il ne viendra pas le Yetzara. Non, je me permets de me mettre... Pas quand il a fauté avant et après le Yetzara, il est venu le retenter. Quand, non, mais c'est une notion. Regardez. J'ai réussi à maîtriser. Kevin Sheba, Léa, Dvara, Vera, Dvara, Vera. J'ai réussi à maîtriser et il lâche pas. Kevin Sheba, Léa, Dvara, Vera. Toi qui l'appelles, allô? Allô? Le marche, il dit, il ne tombera pas dans cette Avera. Le marche, il tient à dire dans cette Avera. Il tombera dans une autre, mais pas dans celle-là. Tov. Amar Ish Lakish. Maï dichtiv im la letzim ou yalitz vela anavim iten chen. C'est l'histoire de la chazaka. Regardez maintenant une chose extraordinaire. Amar Ish Lakish. Maï dichtiv im la letzim ou yalitz vela anavim iten chen. Balitame, potrin lo. Balitaer, mesayirin oto. Un homme qui veut faire une avera, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme quelqu'un qui est à la maison. Il commence à crier. Qu'est-ce que tu dis? Mon frère, la porte est ouverte. Je n'étais pas obligé de rester ici. Je ne suis pas obligé. Je ne vais pas sortir. Mais tu ouvres la porte. Parce qu'il n'est pas agréable. Alors il dit, quand quelqu'un va faire une avéra, Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne te ferme pas la porte. Je ne vais pas te garder. C'est-à-dire que tu ne peux pas en vouloir Dieu. Pourquoi il ne t'a pas préservé de la avéra? Balitame, tu as une volonté de faire une avéra. Poitrine-le, la porte est ouverte. Qu'est-ce que tu veux? Que quoi? Quand Kadosh Baruch Hu te dit non, ça contredit le libre arbitre. Kadosh Baruch Hu te dit, moi quand je t'ai créé, je t'ai fait jurer que tu fasses pas de la avéra. Mais non, tu as voulu, tu t'es levé, tu avais une volonté dans ta tête de faire une avéra. Qu'est-ce que tu veux que quoi? Que moi je te dis, c'est vrai, nous on demande une prière à Kadosh Baruch Hu, on est tellement faible, je t'en supplie, ne n'ouvre pas la porte. Quand je dis que j'ai envie de faire une bêtise, ne m'ouvre pas la porte. Retiens-moi. Mais dans l'idée, dans l'absolu, Kadosh Baruch Hu, il ouvre la porte. Par contre, à Bali Taher, c'est pas qu'on ouvre la porte, mais ça y est, Noto vient. Celui que Bémet, il veut faire tchouva, il a une siata d'Ishmaïa. Il a. Et tu vois bien les balais tchouva quand ils font leur tchouva au début. Ouais, ils ont une lumière de tzadikim sur eux. Ouais, c'est qu'ils sont jeunes quand t'es jeune. Non, c'est pas une question de quand t'es jeune, c'est quand tu le découvres Hachem, parce que tu le découvres Hachem, il sait que tu. Tu vas rencontrer tellement de difficultés que comme s'il te prend dans sa main. Je parle avec beaucoup de gens qui ont fait tchouva, tout le monde te répète la même chose, qu'au début de leur tchouva, ils étaient comme des prophètes, ils avaient une vision. Ils voyaient quelque chose, ils pouvaient dire, est-ce que c'est caché, c'est pas caché,
Ça veut dire qu'ils avaient une vision naturelle des choses. C'est vrai. Et c'est incroyable. Parce et que les gens, ils voient. Les gens autour, ils le voient. C'est vrai, c'est oui. C'était longtemps, quoi. Mais chacun, il a ça. Chacun, quand il... Mais c'est dur à vous dire ça. C'est pas dur, c'est non. C'est même pas de la promixité, c'est la non, tu sais, avec tu sais pourquoi. Il y a fait, pourquoi il y a fait. Alors Henri dit, c'est dur de revenir à ça. Nous tous, on a envie. Tu sais pourquoi on n'a pas ça, Non, mais pourquoi on n'a plus ça, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'en en réalité, on est resté dans le niveau de la teshuva où on était. Ça veut dire, on a voulu atteindre un niveau. Alors, après, je beaucoup, il nous a aidé à arriver là-bas. Alors, on était là-bas. Le problème, c'est que l'ambition, elle s'est arrêtée là-bas. Mais si on aurait continué avec l'ambition, maintenant j'ai envie d'être Moshe Rabbeinu, par exemple, ben, ça ne serait pas arrêté là-bas. Ça serait arrêté. Après, on aurait voulu être encore plus. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev disait que lui, à chaque fin de tefila, quand il est arrivé à quelque chose, déjà, il se mettait un objectif d'être beaucoup plus haut pour ne pas perdre l'élan. Et il voulait encore. C'est-à-dire, imagine-toi, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne à faire une course à 100 mètres. Il a battu un record. Mais il est toujours là. Il va toujours améliorer les 100 mètres. Les 100 mètres, il n'a pas envie de faire du 200. Il n'a pas envie de faire du 300. Alors, zéro, nigma. Il n'a plus de... Et ça, c'est pour ça qu'on n'a pas de poterine. Là. Ça ne s'est jamais fermé. Puisqu'on n'a pas voulu être un tzadik à un tellement haut niveau. Parce qu'à chaque niveau, il y a une teshuva à faire. David Ameler, il disait que tous les jours, il fait teshuva. Pourquoi? Parce que tous les jours, il découvre la grandeur d'Hachem plus. Alors, il s'imagine que la faute qu'il avait faite, il n'avait pas fait teshuva à ce niveau de grandeur d'Hachem. Donc, il fait teshuva. Je peux vous dire, mon ami, c'est des engagements. Moi, je pense qu'Hachem, il s'occupe plus des jeunes que des adultes. Jamais. Mais si. Parce qu'un jeune, il doit faire sa vie. Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme les médecins du corona, alors, que quand ils voient un gars qui a 95 ans, ils disent, ça y est, on s'occupe pas en France. J'ai pas dit qu'il s'occupe non. pas. Non. Bah oui. Il s'occupe pas, il s'occupe plus. Qu'est-ce qu'il dit, Charlie? C'est vrai, Charlie? Non, mais ici, avant le corona, c'est... Dieu, il est rachamim pour tout le monde. Dieu est qui dit ça. Non, mais en France, on te dit, en France, quand il y avait des machines respiratoires, moi j'ai entendu de quelqu'un ici à Ranana, il est parti avec sa maman à l'hôpital, on lui a dit, désolé, il y a des jeunes qui ont besoin de la machine, on ne donne pas à ta mère. Sa mère est morte dans ses mains du corona l'année dernière. Je connais la personne, elle est morte dans ses mains. Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas ça chez lui. Il ouvre la main pour tout le monde, vieux, jeune. Rav, j'ai dit que. Non, il n'y a pas un jeune, il doit se marier. Il n'y a pas. Il doit faire des enfants, il doit les éduquer, il doit les habiller. Alors qu'une personne qui arrive à dire. T'achèves. Oh, il est comme ça. Alors voilà, je te donne un exemple. Tu dis ça dans le Yoshev et Stéterion. T'achèves Enosh Ad Daka, va Tomer, Shuvu Bene Adam. C'est quoi Ad Daka? Ad Dirducha Shel Nefesh. La Gemara, elle dit jusqu'au moment où l'âme, elle quitte le corps à Kadosh Baruch Hu, il appelle l'humanité à faire teshuva. Fais, oui, viens. Non, mais il n'appelle pas moi. Il n'appelle pas moi. Alors, la Gemara a dit, « Bali tamé misayinoto, tanet verabi Ishmael, machal le Adam, » Regardez, ça ressemble à quoi? À un homme qui vendait deux sortes d'huile. Un, du pétrole, et l'autre, du parfum. Alors il dit, regardez, là, il est vendeur dans le magasin, il a deux cuvettes, une cuvette de cuves, une cuve de pétrole et une de parfum. Il dit, quand il y a quelqu'un qui vient chez le vendeur, il dit, j'ai besoin de 3 litres de pétrole. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, tu vois, prends la louche et prends-toi du pétrole. Pourquoi il n'a pas envie? Parce qu'il n'a pas envie d'ouvrir et que l'odeur lui monte dans sa chemise. Alors il lui dit, serre-toi, il n'a pas envie de se salir. Mais quand il vient, il dit, je veux un flacon de parfum. Ah, il dit, tiens, je vais te servir. Pourquoi? Parce qu'en même temps, quand il est en train de verser, il est en train de se parfumer lui aussi. Alors il dit, c'est exactement ça. Alors il dit, un homme, il a envie de faire une avera. Tu veux faire la avera? Tu veux te salir? Vas-y, seul. Je ne suis pas avec toi là-bas. Tu veux me salir? Mais quand tu veux faire des bonnes actions, allez, je suis avec toi. Je te donne la main. Ça, c'est le machal de Rabbi Ishmael. Puisqu'on a déjà parlé de ça, alors on a une autre braïta qui est incroyable. La braïta de Mahalot Asurot. Il faut savoir, avant de je fais une petite introduction. Il y a beaucoup de gens qui posent la question, est-ce que je suis obligé de faire ou je ne suis pas obligé? Ça veut dire,
y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit, regarde. Il me dit, j'achète des légumes avec des problèmes. Il y a des vers. Est-ce que moi, je vais prendre un brocoli, par exemple. Il est censé avoir des vers là-dedans. Je vais le hacher directement. Et je vérifie pas. Je vérifie pas. Est-ce que j'ai le droit? Maintenant, ce qui m'a... J'ai acheté un pot de confiture. J'ai acheté un pot de confiture avec bonjour. De la... Bonjour. J'ai acheté un pot de confiture avec de la framboise. Et c'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Les enfants. Cola. Les enfants. J'ai acheté un pot de confiture. Et c'était écrit sur le pot de confiture. Cola perot nitranou. Quand j'ai vu ça, j'ai envie de vomir. Je l'ai remis en place. Moi, j'ai pris une cuillère pour mettre dans le yaourt. J'ai vu ça, j'ai dit quoi? Ça veut dire ils n'ont pas vérifié, ils n'ont même pas fait un traitement. Ils ont juste trôné. Ils ont pris tout. Il te dit, il veut calmer ta conscience. Il te dit, tu sais, le verre, il a été broyé. Alors maintenant, je me dis, de la framboise en plus. Alors j'ai dit, ça dépend. Si c'est bonne maman, ça vient de France. Ça a un niveau, ça a une qualité, il y a des conditions, il y a un cahier de charge. Mais le producteur, il est en Chine. Là-bas, ils doivent mettre n'importe quoi, n'importe comment. Je l'aurais mis en place, je n'ai pas touché. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Alors maintenant, le Stipler, il a dit une fois, tu as un Bitul Berov, tu as la notion de Batel Berov. Par exemple, il y a des choses qui ont beaucoup de verbes. Mais il dit, c'est cachère. Tu peux manger, point de vue cachère. Mais point de vue qu'il y a en toi, un morceau de verre, le Védi Tam Tembam, tu l'as eu. Comme, et c'est ce qu'il dit, regardez ici. Tana de Rabbi Ishmael Avera, Metam Temet Libo chez la dame. Et c'est incroyable comment on le voit. Dès que tu vois un homme, il ne mange pas cachère ou un truc, tu vois, il n'a plus la finesse. Il perd la finesse d'esprit. C'est Badouk. Il peut être haram, mais il n'a plus la finesse. Tu vois ce que je veux dire? Chez Nehemar, Velo titameu baim venit metem bam. Alti kire venit metem. Et là, venit tam te. Venit tam tem bam. L'homme, il devient timtum. Timtum, ça vient du sens atum. Tamé, ça vient du mot, c'est les mêmes lettres, atum. Atum, c'est bloqué. Il y a un blocage. Il y a des blocages qui arrivent comme ça à un certain niveau. Des fois, ça devient un blocage sur l'esprit. Des fois, c'est un blocage de Parnassa. Des fois, c'est un blocage dans les enfants. Il y a un blocage que tu sens qu'il y a quelque chose, une muraille qui t'empêche de sortir. Alors, il faut faire un tikkun sur ce hymne. Tanu Rabanan. Al titame ubaem venit metem bam. Adam et tamer atzom et at metamim oto arbe mitamim oto arbe. Mille matin. Il te dit, un homme qui a décidé de faire une avera, même qu'il y a une protection. Et le Rambam, il amène ça sur Paro. Le Rambam, il pose une question. Il dit, comment Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, Pharaon, je sais qu'il va durcir son cœur, mais moi, je vais le rendre dur. Le Rambam me pose la question dans son livre principal. Êtes-vous le libre arbitre? Le Rambam me donne une réponse qui a été discutée. Moi, je peux vous l'expliquer, mais ça va prendre une heure. Mais le Rambam, il a dit qu'un homme, quand il fait une avéra, la punition sur la avéra, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il lui renforce dans la avéra et lui enlève son libre arbitre, comme ça, il se casse la figure. Ça veut dire, c'est la punition déjà de lui enlever le libre arbitre. C'est-à-dire un homme qui a été vendu à l'avéra, qui ne peut pas s'en passer, c'est un niveau de punition. Bitula Bechira Chofshit. C'est injuste. Hein? C'est injuste. Pourquoi c'est injuste? Il ne peut plus faire tu vois alors. Non, à quel moment il a dit à Paro, regarde. Moi, je te demande de libérer mes enfants. Maintenant, si toi, tu veux faire le malin. Tu n'as pas envie, sache-le, que je te prendrai le libre arbitre par rapport à ce que tu es toi. Hein. Et ce ne serait plus toi. Et tu voudras par force faire du mal, même si tu sais que tu seras puni. C'est-à-dire que c'est dans cet même esprit.
Adam est amé à Atzmo, mais Hat, mais t'as imoto arbe. On lui dit, prends sur toi. Et ça, c'est la punition. C'est ce qu'il dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Schara avera, avera. Chez avera, goreret avera. À quel moment il te dit, t'es rentré dans une faute, enbaya, tu vas prendre une autre faute aussi en route. C'est comme le flic. Il a vu un monsieur, il a fait une avera. Il manque ça. Alors quand il a vu qu'il a déjà fait une, il est en train de courir derrière lui. Il le filme quand il attend qu'il fasse une autre pour lui donner, pour le faire rentrer vraiment en prison. Il n'a pas envie de le. Il est flic. Ah, mais c'est pas ça. Non, mais à Kadosh non, l'idée. Quand tu vois quelqu'un avant de faire quelque chose de tordu, tu lui dis, eh oh, tu es en train de faire une chose tordue, arrête. Mais quand tu as déjà vu l'homme qui fait du tort et qui le fait avec un vice. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en position de. Tu filmes et tu attends pour lui montrer à quel point. Il va frauder ici aussi, il va frauder ici. Malchuta de Rekia, qui est Malchuta de Ara, le comportement divin, il est exactement comme le comportement humain par rapport à l'homme. C'est comme ça. Il y a un chesed d'Hachem, c'est une autre chose. Mais à Kadosh Baruch Hu, il nous montre qu'il y a une règle. La règle humaine, elle nous fait comprendre aussi quelque part la règle de Kadosh Baruch Hu. Les humains, c'est Tzenem Elokim Bara et Adam. C'est une manière de comportement que Hachem se comporte avec nous. Dieu ne peut pas nous créer humains et se comporter avec nous comme des anges. Comme qui est la Gemara, elle dit Lonit Natora les Malachi Hacharet, Nit Natora les Bnei Adam. C'est-à-dire que dans le comportement, de la même manière que ton ami, que la société, elle se comporte normalement, il y a des règles de société, sache-le que c'est la règle divine. Puisque Kadosh Baruch Hu, il a mis cette règle dans le monde entier, entre les humains, l'amour d'un père à un fils est ancré. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu se comporte avec toi de la même. Et c'est pour ça que la Torah, elle parle toujours de cette manière. Je vais vous aimer, ou je vais vous punir, ou je vais. Pourquoi? Parce que si Kadosh Baruch Hu nous a créé sous modèle humain, avec des caractères humains qui sont globales dans le monde entier, c'est-à-dire que c'est le mode de comportement que Kadosh Baruch Hu va se comporter lui aussi avec nous. Ça, c'est la règle. Metame Adam Atzmo Me'at, Metame Moto Arbe. Milemata, Metame Imoto, Milemala, Shemishmor. On ne fait pas rentrer même en haut. Ah, s'il fait en bas des. Alors, même en haut, on dit, c'est-à-dire, le Yetzerara, il veut savoir. Le Yetzerara, il passe tous les matins, il dit à Dieu, quelle est ma liste? Il dit, celui-là. Vas-y. Alors maintenant, ça nous fait peur. Alors, la Gemara finit le Perek par un conseil. Je veux dire, Vit Kadesh Tem Vitem Kidoshim. Adam, il a fait la porte. Quelle est la porte d'issue? Vit Kadesh Tem Vitem Kidoshim. Adam et Kadesh Atzmo Me'at, Mekachim Oto Arbe, Milemata, Mekachim Oto Milema, la Barola Mazé, Mekachim Oto. La Olama, c'est-à-dire que dès que tu fais un petit acte de Kedusha, et c'est écrit dans la Gemara, Midat Tova, Meruba, Hameshmot, Midat Pouranot. C'est-à-dire que si pour faire une Avera, pour recevoir une Touma, Metamimot en Milema, là, j'aurais besoin de faire une certaine quantité de Avera pour obtenir la Touma qui va venir, et ben, par rapport à la Kedusha, c'est un 500e d'effort de Kedusha. M'amène une aide divine. Ça veut dire, il suffit de faire un petit geste des fois de mitzvah et ça enchaîne et ça enchaînera sur d'autres choses de Kedusha. Et ça, c'est notre chance. Kadosh Baruch Hu, il a dit même si tu fais un petit truc, ça te ramènera à la Kedusha. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Livracha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais prendre des mitzvot que le Yetzer Hara, il ne met pas trop la main dessus. Il a envoyé ses élèves à mettre des tefilines aux gens dans la rue. Il dit, tu mets tes tefilines, tu fais Kriyat Shema, tu sais quel Kedusha ce juif, il a amené sur lui en journée. Une femme, elle est sortie du canyon, on lui a donné deux bougies. Tu peux les allumer Shabbat? Ah oui, pourquoi pas deux bougies, c'est romantique. Là. Ce soir, d'accord. Des mitzvot comme ça, mais qui ouvrent les portes de la Kedusha. Qu'ils ouvrent. Tfilin, c'est Kedusha, tu mets Yichud Hashem. Les 12 psukim, tous ces inanim qu'il a choisi, c'est des inanim qu'il a pris. Très spécial. La bougie de Shabbat, c'est le Shalom Bayit. C'est en même temps, tout celui qui rentre dans ta maison, il voit que c'est un événement.
C'est vrai que cette femme, elle prendra la voiture plus tard, elle ira au cinéma, elle allumera la télé, mais... Parce que quelqu'un soit passé, il a fait, mais bougies, il a fait un truc. Il est rentré dans la maison, il y a une lumière de bougie, ouais. Il y a une lumière de Kdoucha. C'est un élan dans le chemin. Et on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait Tchouva grâce à ça. Et par contre, moi, ça me dérange, le fait qu'il passe dans la rue. Ah, t'es juif, il n'y a pas de cavalier. Mais ça, non, mais Jeannet, tu ne peux pas lui faire. Tu veux lui donner. Tu veux lui donner. Tu veux lui donner une étincelle de Kdoucha. On veut le faire sortir de ce cycle de ton. Ah, de Métamé à Tson, Métamé Moto Arbé. Alors, on veut lui faire un potéar. Il a fait comme ça. C'est vrai, il n'y a pas de cavalier. Mitor Shelo, Lishma, Balishma. Il a eu une étincelle qui a allumé. C'est mieux ça qu'un mec qui dit viens, rentre. On ne se rend pas compte, ça donne mon exemple. Pendant 20 ans, je ne faisais rien. Non, non, je ne veux pas entendre. Les Lubavitch, ils ont su des petits trucs, ramener tout doucement, des petits trucs, à chaque fois des petits trucs, et ben, j'ai été converti. Non, j'ai participé. Si d'un seul coup, quand j'allais dans les autres joules, vous ne voulez même pas me calculer. Ils disaient, toi, tu es un... C'est un numéro, même pour l'étude, par exemple, quand tu vas, le gros problème en France, c'est que si tu n'es pas érudit, on te refuse dans l'étude, on n'a pas besoin de toi. Si tu veux étudier. Mais ça a changé, ça a changé. Ça, non, mais tu as raison, que moi je suis j'avais une grande fermeture. On est dans la rue, il passait, j'avais 14 ans, il s'appelait Shalom, il s'appelle peut-être Shalom encore, je ne sais pas. Ça te s'agit, hein. Non, ils passent, ils font mettre des tefillines, c'est magnifique. Les Lubavitch, ils ne mettent pas la pression, c'est-à-dire qu'ils te laissent tranquille. Moi, je lui dis, mais comment je vais venir à la synagogue, je prends ma voiture après, j'ai ma belle-mère. Ne me dis pas ce que tu fais après. Il me dit, mais quel est ton problème? Tu viens, tu pries, après... Moi, je ne t'ai pas dit, ouais. Tu fais ce que tu veux, de toute façon, tu vas y aller en voiture. C'est pas contradictoire. Mais... C'est ça. Et ça, moi, je ne comprenais pas. Je voulais être entier. Ou bon. Tu fais rien. Alors que moi, par exemple, mon grand frère, une fois, il était arrivé à la synagogue, le rabbin, il a fait le rendez-vous. Parce qu'il était venu en métro. Depuis, il n'est plus jamais revenu à la synagogue. Ça peut, hein, il a mis au moins 5-6 ans pour se remettre de ça. Ce qui est dommage. Alors que lui, il disait, comme tu as dit, alors, un ticket. Bon, il passait, lui. Il disait, voilà, je suis avec mon frère. Je parle à Bruxelles, j'ai une nouvelle idée, je connais un jeune Lubavitch. À Bruxelles, il va dans les magasins. Le mec, il dit mon travail, c'est Shabbat ton travail. Il dit ça fait rien. Viens prier le matin. Viens prier le matin à Joul parce que j'ai besoin qu'on ait Minyan. Et va travailler après si tu veux. Tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. Tu sais, un jour je vais à Haïfa. Je marche dans la rue et je vois une maison qui fait des tatouages aux gens, des tatouages. Et je vois le monsieur comme ça, il est assis comme ça, tu vois, à la porte. Et je vois tatou, tout est. Et je passe, il me fait Shalom, gros arabe, tu vois, je croyais moi qu'il se moquait de moi. Je regarde comme ça. Alors, je le regarde, je lui dis Shalom, allez, je fais un beau sourire. Alors, je lui dis, comment tu t'appelles? Il me dit, t'es un homme sympa. Il me dit, écoute, il n'y a pas de client, viens, je te fais un café, on s'assoit un peu, on parle. Bon, on s'assoit. Je lui dis, tu fais des beaux tatouages. Hein. Il me dit, ouais, je sais que ça pose un problème, je sais. Il me dit, mais c'est mon seul métier. Il me dit, moi, j'ai appris ce métier en prison. J'étais 12 ans, c'était un Israélien, il a voulu gagner de l'argent. Il est parti aux États-Unis et il faisait passer des armes. Il achetait des armes et il achetait des armes en Amérique parce qu'on a le droit de les acheter. Il s'est fait un permis. Il allait acheter des armes et il les faisait passer au Mexique. Et tout de suite, il gagnait de l'argent sur la frontière. Un jour, bon, il s'est fait attraper. Et c'est incroyable parce qu'il me raconte qu'il a été sauvé. Bon, mais finalement, il a pris 12 ans de prison. Sa mère, elle a dû vendre sa maison en Israël pour le faire sortir, et il a renié sa nationalité américaine, bon, bref. Et je lui parle, et à la fin de la conversation, il commence à pleurer. Et il me dit, écoute, tu m'as fait faire des remords de tes chouvas. Je jure, je ne vais pas arrêter aujourd'hui de faire ce que je fais. Je sais que ça embête Hachem. Mais je jure une chose, oui. Que je ferai tout pour m'en débarrasser de cette affaire le plus vite possible. Il me dit ça, j'ai jamais pensé dans ma vie. Je me suis dit, j'ai une belle parnassa, je fais des tatouages. Je jure une chose,
que je me laisse maintenant un délai d'un an, je ferai tout pour fermer. C'est bon. Non, moi je marche à Haïfa comme ça, hein. Je marche dans la rue. Je vois un homme, il aurait pu me dire, moi j'aurais pu regarder et être écœuré, tu vois, Yoshel, on va continuer. Mais je me suis arrêté, tu vois, je lui ai donné ce garçon en fait. Il m'a raconté sa vie depuis l'âge de 7 ans dans un internat. Tu comprends, il est arrivé. Chacun a son histoire. Exactement. Il faut regarder l'histoire de l'homme. Il faut regarder l'histoire de l'homme.